Allô, je m'appelle Martine Fraser. Je suis travailleuse de rang et je travaille pour l'organisme au cœur des familles agricoles. Mon rapport avec les producteurs de lait est assez particulier puisque j'ai grandi et sur une ferme laitière. Donc, mon père travaille toujours sur la ferme ainsi que mon conjoint et mon petit frère. Donc, on a une ferme laitière en Mauricie. Puis, dans le fond, les producteurs de lait, ben, c'est une grande famille que je côtoie depuis que je suis toute petite. C'est vraiment la proximité que j'ai avec les gens. C'est la confiance qu'ils me font au quotidien. Ça, c'est le plus beau cadeau qu'on peut me faire. Les gens ils nous font confiance, les gens ils nous appellent. On est de plus en plus sollicités et c'est une bonne chose. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie de mon travail. J'aime aussi pouvoir le faire dans toutes conditions. Donc, d'aller faire des tours de tracteur, d'aller dans les étables. Ça aussi, c'est vraiment quelque chose d'hyper stimulant et vraiment le fun à faire. Pour moi, ça va, c'est assez simple en fait. Là. Moi, je passe beaucoup par l'humour dans la vie. Donc, pour moi, là, c'est vraiment comme mon petit truc là, qui me permet de m'incruster un peu partout. Puis aussi, ben, j'ai plein de compétences, puis j'ai pas peur de le dire. Fait que ça fait que les gens, ben, finalement, ils m'acceptent dans leur groupe. Puis voilà, pour moi, la question ne se pose pas tant. Je mets mes limites, je m'affirme, je m'assume. Puis voilà, dans mon cas, là, c'est comme ça que ça se passe. Donc, pour mes loisirs, ben, c'est sûr que j'ai deux chiens. J'ai deux petits amants. Puis sinon, ben, j'ai trois beaux chevaux aussi avec lesquels j'essaie de passer le plus de temps possible. Sinon, je suis vraiment une fille de plein air aussi. Fait que ce qu'ils font, marche dans le bois et tout ça. Donc, c'est des activités que je pratique au quotidien. C'est sûr que spontanément, j'aurais envie de dire ben j'aimerais ça qu'il n'existe plus de travailleuses de rang parce que j'aimerais ça qu'il n'y ait plus de détresse dans le monde agricole. J'aimerais ça qu'on n'ait plus à travailler en ce sens-là, que la situation soit tellement parfaite que les gens soient juste heureux. Mais ça, c'est comme la partie spontanée. L'autre partie de moi aura envie de répondre ben j'aurais envie que les gens, si on me donnait une baguette magique, j'aurais envie que les gens continue de nous appeler, qu'ils le fassent de façon éclairée, dans le sens où les gens se responsabilisent, se regardent le nombril et se le disent. Dans le fond, oups, je commence à moins bien aller, je vais aller consulter avant que ça dégénère. Donc ça, c'est mon petit côté licorne. J'aimerais ça que les gens nous appellent un peu plus tôt avant d'être rendus trop loin là, dans les processus où ça se dégrade finalement, où la santé psychologique commence à en manger plus grand. Une plus grande claque. Donc voilà.